comprenez ça, me dit, et ma péché, ma péché. Mon seul bagage t'a souhaité à chacun de nous, songez, frère, ça. Je le tiendrai. Je le tiendrai. Ma kébé parole. Pour me pas pécher. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière. Ça veut dire que, quelle que soit la circonstance, dans la vie, parole là, c'est lumière. Amen. Que bon Dieu bénisse, c'est pasteur François Loi. Amen. 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 Alors, le courant des pasteurs ici. Maintenant, c'est le moment d'écouter notre confrère, le Révérend Chris Roy, à la gloire de Dieu. Veuillez applaudir. Vous. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Psalmiste a te dit, mon âme est dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il y a un monde qui est content même là, il y a mené un côté pour le pays. Parce que si tu connais pas le pays, il va content avec. Mais là, c'est quand mon Dieu a venu, si tu connais la meilleure position d'avenir, depuis là, quand on a commencé à danser. Parce qu'il va venir au côté, si tu n'as pas bien la paix, on va venir la paix. Si tu es troublé, on va venir la paix. Si tu es affaibli, on va venir réconforter. Parce que ça, mon Dieu, frère. Oui. Et c'était malade, il dit, il envoie sa parole et il nous guérit. Yes. Il nous guérit. Parce que les paroles là, et pour tendre, on fait la foi, c'est la foi à la guérison. Vous savez? Amen. Que tu es moins content du fait que Pasteur Bouillet est venu moi hier, il invite moi. Bon, on va pas se poser la soie, mais pour une raison, bon Dieu connaît pour une raison. Amen. Et les causes moins vitement. Adapté avec invitation Pasteur Bouillier et puis la soirée vous honorer l'invitation. Donc moi content et le fait que bon Dieu fait moi parmi vous-même parce que chaque côté me passé mon côté qui ouvrait gain deux graines pour bon Dieu moi content parce que chrétien majorité mon connaît les dernières yakoui. Amen. C'est dernières yakoui qui était l'église locale là le côté on s'est mis à demander qui est demi yakoui est-ce que Jésus là est-ce que Jésus pas là ou pas connaît miracle besoin. Mais je connais chaque monde Jésus sauvé son miracle. Amen. Amen. Chacun de nous qui l'a connu son miracle. Parce qu'on pense à mon Dieu en dedans qui dit au moins avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit au-delà de ça que vous demandez, vous pensez, vous imaginez, vous va faire, on trouve ce. Et j'espère que d'avoir venu, c'est en Haïti, vous avez venu. Alors comme si vous n'avez pas venu ici. Amen. Eh bien, là où nous trois sont assemblés dans le nom de Dieu, il est là parmi nous pour nous jouer quoi que ce soit que nous besoin. C'est pour ça que nous croyons, et nous-mêmes vivons comme ça. Nous connaissons bon Dieu en dedans, moi, puisque bon Dieu en dedans, moi, marche avec tout le miracle. Que bon Dieu bénisse. Amen. Maintenant, je vais vous dire que le pasteur Valtier, par exemple, à Cali, mais. Amen. Père bon Dieu à vous. Amen. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci. En dernière heure. En invitation de dernière heure. Bon, je suis quand même à soir. C'est que bon Dieu grand. Je suis capable de constater que je suis capable de voir un petit pasteur qui est fidèle à soir. C'est une chose très spéciale. Vous n'êtes pas capable de comprendre ça. Le mot passe pour dire qu'on est passe, 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 passe. C'est qu'il y a soit service à son service B. Béni. Parce que dans le monde bon Dieu là. Est-ce qu'on l'a avec vous? Parmi le monde bon Dieu, vous êtes vous là-dedans. Amen. Qu'il appelle la grâce de Dieu sur avec vous tous. Et nous ne sommes pas capables de faire. Que bon Dieu bénisse, nous continuons le service à vous là. Amen. Amen. Nous, le pasteur Mireille qui est avec nous tous. N'a pas cédé par ça pour être capable de saluer nous à la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'était la volonté de Dieu. Pas vrai? Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, je dis bon Dieu merci le fait que je suis avec nous là.
invité par pasteur Edith Zephyr. Mais moi, là, quand même, pas dit que son visiteur et une visiteuse parce que moi, j'ai un groupe de prière, j'ai une année de cela, c'est pasteur Beaulieu qui était bonne place ça pour me fêter groupe les travailleurs de Jésus-Christ. Je me dis bon Dieu merci. Et je salue le pasteur, je salue toute la famille qui est avec nous là ce soir. Et bien, je dis bon Dieu merci. Et raison plus d'avant plus ça que qui fait que nous là assoyons à tout. Et invité par un pasteur Edith, le fait que nous gagnons groupe les travailleurs de Jésus-Christ qui va fêter 11e anniversaire lui. Pour le 4 août, si Dieu veut dans un concert. Qui veut dire moi, et pasteur te dit, faut venir là. Pour me capable jouer avec pasteur Beaulieu pour me capable annoncer concert là et après nous gain pour départ nous pour pays Saint-Domingue pour nous fêter l'église des travailleurs de Jésus-Christ. Eh bien nous pas prêter plus d'avantage le a avancé n'a se déplacer encore avec un pasteur Beaulieu. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Et quand nous va prier pasteur Miguel, il connaît pas gagner notre pasteur encore ça. Amen. Et moi remercier du plus profond de mon être aussi quelques amis. Il y a le docteur en médecine, docteur en dénorméco. Ça doit être un gros campéus, vous voulez dire, ou moi, d'arrêter de mettre en déo. Amen. Moi, pas que tellement gros monde d'abdi, mais seulement moi, ça c'est béni, ça c'est content de ce que moi, là, ensemble avec nous après-midi. Parce que pasteur, nous t'es invité, moi, il dit donc, pasteur, il dit docteur, donc, faut vous là avec nous après-midi quand même. C'est bien, ok. Pasteur m'a fait le sam capable possible pour être capable là ça va avec nous donc n'a pas de prier donc parce que bagay là il pas pour moi seul c'est pour l'église lié tout avec prière nous moi connais que m'a privé amen que bon Dieu est capable bénir nous pour bénir avec grâce et bénédiction. On nous va donner un beau applaudissement. Si vous avez pas les lapins pour nous balancer un gros applaudissement, mais s'il veut pas les tout. N'a pas dit plus qu'à venir dire nous. Amen. Travaillez sur le travail, vous mangez là. Amen. Je dis tout le monde merci. Je dis pasteur, merci de mon invitation. Au moins, nous donnons nos paroles qui sont différentes de ça. Nous avons aujourd'hui ou non, nous avons votre monde. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons garder mon applaudissement. Gloire à Dieu. Nous avons fait Ancelot Joseph qui est juste derrière. Amen. Il même connaît ce que tu as dit, mais il faut saluer nous à la gloire. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, c'est pour la seconde heure, je me sens extrêmement jubilé à cela pour madame là, ensemble avec pasteur Beaulieu. Malgré cette soeur qui était réunie, même si ma frère le mieux, je sais que le mieux qui était moins pour madame là, ensemble. Que quand j'ai réuni, c'est une bénie de quelqu'un parmi nous. Amen. Gloire à Dieu, que vous avez réuni. Amen. Salut ma position. Merci. Nous, du pasteur Raphaël Odiger. Pasteur Raphaël Odiger qui est dans ce mendiga. C'est bon, quand c'est la calme, ils vont dire où on tout. Parce que je partage un moment qui bénit sur moi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Moi, je dis. Alors, deux mots, parce que nous voulons céder place là. Tout à l'heure. Gloire à Dieu. L'église, Jésus béni. Amen. L'église, bon Dieu béni. Amen. Moi, je suis content parmi nous. Et dans l'activité. Nous gagnons aujourd'hui pour Christ. J'ai des activités ça. C'est seulement Christ nous capable faire pour nous chiter avec respect, l'un pour l'autre et nous suivre l'un après l'autre chaque monde qui a un message pour dire. Et moi je dis merci à Pasteur Beaulieu parce que nous avons juste nos Jésus. Parce que vous avez dit, nous gagnons. Yeah. Nous, mon pasteur qui a venu, nous avons aimé pour là, pour faire connaissance avec le pasteur. Confrère nous qui travaillons pour Jésus-Christ. Amen. Et moi, je suis content de nous chaque. Et moi, je suis content de ce Mireille ou pasteur Mireille. Ce Mireille qui a un ministère en République Dominicaine. C'est-à-dire que nous avons collé les épaules nous parce que nous sommes dans notre bois à tout. Nous avons fait un bon petit dialogue avant que nous allions. Jésus bénit nous. Amen. Grâce à Dieu pour nous. Qu'est-ce que nous avons Jésus-Christ? Par les menti là. Amen. Merci, 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 merci. Et bien, nous disons merci à tous les membres de SEGA, de la Croisée de l'Église à Adams, qui sont présents, qui ne sont pas présents. Nous disons merci pour la présence. Nous remercions Frère Franz, tout, qui vient mettre nous dans le tour, qui vient à toute madame. Frère Bob, merci. Et merci tout le monde. Amen. Amen. Nous connaissons le prédicateur à l'heure, parce que les gens nous à l'heure.
Et maintenant, nous allons ramasser les offrandes de l'Assemblée. Et Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épaule, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, on est sur Yvose, qu'elle est sortie. Ok, si sur Yvose pas là, on a demandé et frère Joseph, dans Luce, capable de ramasser pour nous les offrandes de l'Assemblée. Bien-aimés, donnez ce que vous avez, ce que vous pouvez. N'est-ce pas? Et c'est censé être la 18e convention annuelle de la croisade de Cardam. Nous avons besoin de présence, nous ne pouvons pas taxer, mais ça, on le bat là selon nous-mêmes. Parce que nous faisons tout le bagage, nous, biblique. Et voilà, voilà, nous, si on place qui acheter, ce n'est pas possible de nous louer. Et nous avons besoin de pile aide pour nous capables de créer ça cette année. N'est-ce pas? Et nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir nous. On nous chante Dieu Tout-Puissant pendant que frère Joseph a ramassé pour nous les offrandes de l'Assemblée. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers veillé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs me tonnerrent. Le cœur matin, oh les ombres du soir, de tout mon être, parlant s'élève dans Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, parlant s'élève dans c'est tout le monde qui est capable de la faire bon, tout le monde qui l'a, c'est vous qui va permettre. Et Frère Moïse, et merci bien que vous soyez capable de bénir. Mais chers amis, connaissez à l'heure pour nous bailler, pour nous capables d'étendre le message. Parce que nous commençons à 7h exactement. Mais demain soir, nous serons à 7h30. C'est l'église baptiste Bethesda, dirigée par notre confrère, le pasteur Joseph Innocent, qui a venu avec vous, qui a dirigé. Mais le prédicateur spécial, toujours le révérend Villa délivrée. Maintenant, chers amis, sur que forme nous possède, nous avons ici l'honneur d'introduire au bout du micro de Sega le révérend Joseph Villa délivrée dans le message de la parole de Dieu. Nous avons été dans le groupe, mais son identité est toujours de parler. Tout ce que vous avez entendu. Amen.
Mais bien aimé dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous dit bon Dieu d'abord merci pour heureux privilège que le bon nous année ça encore. Si pas trompé moi, ça fait peut-être 12 ans depuis que nous avons prêché dans l'occasion ça pour pasteur Beaulieu. Nous remercions bon Dieu qui t'est sorti à Haïti avec nous dans le week-end là. Traverser les océans. Jean-Pasteur Wilson t'a dit dans une boîte la mort pour mener nous ici. Mener nous saigner souffle, nous dit merci. Nous voulons également remercier les personnes que pas citer non dans l'assemblée qui connaît pour qui ça et qui a arrangé pour que nous capables là à soir. Nous remercier où même bien nous remercier bon Dieu. Nous voulons aussi et dis bon Dieu merci parce que c'est difficile pour que nous réunions dans ton salon pour la gloire de Dieu. Mais bon Dieu permet quand même que les gens qui viennent pour lui. Donc, il faut nous dire bon Dieu merci pour ça parce que c'est lui qui fait ça. Amen. Nous voulons dire bon Dieu merci spécial. Nous pensons que 12 ans de cela, il faut te faire demander ça ici. Hein? Lorsque moi j'ai commencé à voyager, c'était en 2003. Moi, fort probablement, j'ai demandé pour l'église de prier pour que les familles gagnent visa. Je n'ai pas oublié le premier thème que j'ai prêché ici. Nous, c'est 5 personnes dans la famille. Hein? Moi-même, madame, avec 3 personnes. Mais nous sommes capables de dire actuellement, nous 4 là de la famille gagnent visa. Et donc, moi, je voulais dire bon Dieu merci parce que nous pouvons nous prier pour ça. Tifi Moyen, vendredi, si Dieu veut, la rentrée ici, ensemble avec madame moi. Nous étions seulement le premier garçon qui pouvait gagner. Moi, je voulais partager avec vous un bagage que monsieur dit moi. Là, nous rentrons dans la caille là, nous sommes chercher une petite fille qui est dans le consulat. Et puis, nous dit bon, c'est où que tu pas. Alors, monsieur, je ne l'aime pas, moi, je ne l'aime pas, c'est le Pascal. Pas, pas là, c'est parce que monsieur pas parle. Mais pas Sambalia, c'est parce que c'est Pascal. Je ne dis pas, patience. Bon Dieu fait tout le bagage dans le temps. Donc, moi, bien content que le cas résonne comme ça. Okay? Parce que si vous voulez avoir le premier bagage visa, il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur fait que vous comprenez, bon Dieu fait chaque bagage dans l'œil. Nous aller pendant une semaine ensemble, plonger regard nous dans la parole, bon Dieu. Dans le texte que nous voyons, pasteur Franz, tu as apprécié, qui est le psaume 119. Pasteur, nous avons longtemps que nous avons longtemps. Nous avons plus de nous dire après là. Nous avons longtemps que nous avons. Moi, salut tout le pasteur qui est là. Pendant que je suis à la table, je tremble. Je tremble parce que ce n'est pas qu'un pasteur qui est dans la salle. Et si nous avons pasteur Franz qui est venu parler, mais autre dit, l'autre encore, etc. Et si moi-même, nous avons tout pasteur ça là. Donc, mes amis, de me prier pour me suspendre, trembler, parce que je connais la guerre. Et merci beaucoup. De grands hommes qui viennent pour adorer le Seigneur ensemble avec nous. Que bon Dieu soit capable de bénir nous. Amen. Nous gagnons un texte, c'est le psaume 119 et le verset 105 que un pile monde connaît. Et si nous faisons un concours là pour nous demander de réciter le verset ça pour moi, je suis sûr et certain. Nous déclarons un fidèle qui récite la Bible bien. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père en Jésus-Christ, nous voici en ta sainte présence prosternée ici ce soir. Dans le but pour nous capables de faire gloire, honneur, louange que vous seul méritez. Mais particulièrement en ce moment précis, en cet instant précis, où nous venons de lire ta sainte parole, nous te prions, Seigneur, de nous utiliser de manière à bénir ton peuple qui est ici présent ce soir. Et de bénir également ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux. C'est la prière que nous déposons à tes pieds au nom de ton Fils Jésus-Christ.
le divin roi qui vit et qui règne maintenant et au siècle des siècles. Nous t'adorons ajouter un deuxième texte sous texte que nous sommes là, qui c'est Psaume 119, le verset 105, c'est Osée 4, le verset 6, où il est dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Verset 105, là, en Psaume 119, l'a dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Titre méditation, nous pouvons assurer, c'est la parole de Dieu. Le sujet que nous donnons à ces textes, c'est comment grandir dans la connaissance de Dieu. Comment grandir dans la connaissance de Dieu. Mais le thème retenu pour toute la semaine, c'est: Seigneur, ouvre nos yeux sur ta parole. Parce que nous sommes dans la parole, là, c'est qui s'allie, c'est lumière. Parole, là, c'est qui s'allie, c'est lampe. Maintenant, qui voit lumière, qui voit lampe. Deux mots, ça y est, gagné même bagaille, y a réalisé. Lumière là pour éclairer, lampe là pour éclairer. Et texte là, lui permet que moun qui intelligent comprenne. Il y a deux mots là qui lui attirent l'attention, c'est le mot pied et le mot sentier. Donc nous besoin de parole là pour nous compter, pour nous mettre pied nous, pour nous compter qui gens pour nous capables de marcher. Surtout dans la vie dans le monde qui fait moi. Nous voulons, à travers le message à soi, que les chrétiens connaissent, ont besoin de des yeux largement ouverts sur la parole de Dieu. Amen. Et dans qui but nous besoin des yeux ouverts sur la parole de Dieu? C'est pour nous capables de grandir dans la connaissance de Dieu. J'ai besoin ouvert sur la parole de Dieu. C'est pour me capable arriver qui ça grandir dans connaissance bon Dieu, dans connaît bon Dieu. La Bible parle nous de une dame que n'a retourné sur lui dans fin prédication 1. C'est une histoire nous joindre dans Jean chapitre 4 verset 4 à 29 que nous va lire. C'est l'histoire de la femme samaritaine. La Bible dit Jésus-Christ était dans zone là à Samarie. Li a passé dans villa, li a chita boyon puis kore que la femme samaritaine choisi parce que la vive dans fait noir. La vive dans sac pas ça. La vive dans sac pas bon. Pour la boite de l'eau en plein midi. Par contre, sou fait expérience boite de l'eau, moi te kon fait expérience là. Amen. Moun boite de l'eau matin bonheur côté soleil pour qu'on lever parce que boite de l'eau déjà c'est un poids que lié, c'est une souffrance que lié. Donc il pas bon pour aller prendre la midi, on va venir gagner deux chaises sur où ou bien on va le prendre à soir le soleil couché, je vous dis les anges couché. Amen. Il choisit venir à midi pour des raisons spéciales. Spécial, je dirais. Pour qui ça? Parce que qualité ville fait que moun ki wel va longe dwet sou li. Moun ki kon ki nan ki route ki kon ap mache pa bon route va longe dwet sou li. Donc li choisi pour la prendre le moment pour pas rencontrer ak personne. Mais écoutez ce que je vais dire. La parole qui connaît besoin tout moun, la parole déplacée dans le temps de fia avant fia arriver. Bah continue avec moi, non, moun ki kon bible ça va dire. Si quelqu'un qui pas connaît Bible capable comprendre très bien, ça veut dire qu'on fait la parole faire déplacer. Oui, la parole c'est Jésus. Amen, amen, amen. Jésus déplacé la tente d'amnon pour le faire en connaissance avec dame ça qui a le besoin connaît qui laisse moun bon Dieu yé. Zanmim qui l'a assuré, merci. Nous besoin connaît la Bible, la parole de Dieu. C'est livre que tes yeux nous besoin
constamment plongé là-dedans. Amen. Si nous besoin qu'on est bon Dieu. Et c'est moyen qui pour faire grandir. À soyam vle, nous connaît que ce soit monde qui dans temple qui peut écouter qui là qui présent et monde qui regarde à travers réseau yo. Yon nan bagay ki fè moun fè an pile sa pa sa, c'est parce que yon ignorant. Bible a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La femme samaritaine, qui s'est fait taper une qualité visa, cette vie de débauche, t'apprend plusieurs garçons qui parlent maripal. C'est parce qu'elle pas connaît bon Dieu. À soi, nous besoin connaît que, lorsqu'on plonge un regard où, dans la Bible, il y a des moyens pour grandir dans le corps de bon Dieu. Et à ce moment-là, il y a quatre bagages qui sont importants. Lorsque nous plongeons, regardons dans la Bible. Lorsque nous plongeons, regardons dans la Bible, pour nous arriver à grandir, écoutez ça. Il y a un bagage qui est privé, c'est que lorsqu'on est parole de bon Dieu, il a retiré tout dans le cœur. Deuxième bagage à faire pour vous, la paix fait. Il est possible pour qu'on ait bon Dieu. Okay? Il est possible pour qu'on ait bon Dieu. Et lorsqu'on connaît bon Dieu, c'est une clé pour de grandes choses. Il y a un monde qui a dit comme ça, c'est un gros bagage, c'est bon Dieu ça en dedans. C'était pasteur Christoua qui dit ça. C'est vrai. Le bon Dieu en dedans, ou bien clé pour ouvrir toute porte. Et quatrièmement, c'est lorsque nous allons demeurer dans la présence de bon Dieu. Lorsqu'on bon Dieu, comment ça le fait? Lorsqu'on parole bon Dieu. Les paroles, bon Dieu, si on ouvre sur lui, il n'y a pas de fait pour vous, il faut demeurer dans la présence. Amen. Amen. Quatre considérations que nous allons faire à soi, c'est pour nous-mêmes nous allons considérer comme fruit d'une vraie connaissance de Dieu. Nous avons privé grandi, non bon Dieu, nous avons privé connaissance de Dieu, c'est en écartant le doute. L'important pour nous connaître, moun ki ap approché de Dieu pour croire que bon Dieu li existe. Et bon Dieu ça qui existe alors approché bon côté li ou ap capable bénéficier de la part de Dieu tout ça bon Dieu gagné. Non, ma konti pou m ta di magasin li mais comme richesse. Mais pour joindre yo faut ou pas douter. Faut écarter de doute. Est-ce que bon Dieu existe vrai? Pour grandir dans la connaissance bon Dieu, la Bible là, il faut que dès le départ qu'on croit dans bon Dieu comme qu'il est, comme le créateur de toutes choses. Moun kap koute et kap gade nan diwa soya, bon Dieu c'est créateur de toutes choses. La Bible dit bien dans Genèse chapitre 1er. Merci beaucoup. Dans Genèse chapitre 1er. Verset 1er, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Faut qu'on croie, ou besoin de croire, ça, c'est bon Dieu qui fait yo. Bon Dieu, que moi avec moi, c'est vivant, lui n'a une classe à part, parce que c'est un être divin. En tant que bon Dieu, moi avec ou pas, je vais coller avec. Pour qui ça? Parce que nous sommes pécheurs. Mais bon Dieu, ça, il quitte nous cap, joigne-nous. Il crée un moyen pour nous venir en contact avec lui-même. Et c'est un défi qui lance. Parce que depuis le jardin d'Eden, Adam avec Eve te fait expérience côté que ennemi en pas de venir connecter avec bon Dieu. Mais bon Dieu, dans l'amour, il prend disposition pour l'homme qui a connecté avec lui-même. Je dis à une bagage qui connecte le monde entier. C'est téléphone. Amen. Donc on est moi avec vous pour nous pas parce que dans téléphone d'accord, téléphone connecté tout le monde dans le monde. Et vous avez rapport mon numéro de téléphone vous connecté avec lui. M'a regardé là dans appareil qui fait l'autre monde web là c'est de là dedans c'est téléphone. Yes. Le téléphone qu'on pas. Ou quand même après le monde ou de le dire comme ça. Il n'est pas possible pour parler avec lui. Mais bon Dieu établit un moyen de pour passer par lui-même. Tenez ça, oui. Ou pas capable de bon Dieu, il est moyen ça la prière. Amen. Amen.
La prière, c'est moyen, bon Dieu, mettez pour nous capables qui ça communiquer avec lui. Donc, si je m'approche, bon Dieu, un besoin qu'on ait que bon Dieu dans lui existe, lui réel, et c'est lui-même qui dit comme ça, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Lors d'un moment pas bon, yo, d'un moment difficile, yo, bon Dieu, attend nous, vini dans la prière, lui invitez-vous pour capable approcher de lui-même, approcher bon trône lui, qui est le trône de grâce. Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas de bataille. Faut que vous la foi pour quoi dans bon Dieu. Bafoné, moi faut faire un petit exercice tout petit pour montrer un bagage. Chaque monde qui là, pas contre quelqu'un qui vient la première fois. Est-ce que même chose le monde qui vient la première fois? Levez main. OK, moi deux monde qui vient là le OK, première fois. Première fois rentrer là. OK, merci. Nous venons dans le jour où nous avons les chaises. Et puis nous avons nous blancs, nous chita. Ça dit que chaises étaient bonnes pour chita. Vous voyez que nous avons nous chita sur chaise et puis blancs, nous chita, blancs, ils deviennent le volet. Attends, chita. Parce que puis on va bon. Ça dit que si on va tendre un piège pour vous là. Bon, vous avez une tête ou quoi? Depuis ces chaises, chaises faites pour chita ou chita carrément. Et grâce à Dieu, par exemple, nous l'avons tombé. C'est le même genre que nous avons appris à faire bon Dieu confiance. La guerre nous n'en met bon, non mais bon Dieu, mon chien qui dit comme ça, pour qu'ils ne sont pas là, la guerre, non mais, Seigneur, quittez le fait ça lui avec nous. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui l'invoquent. Si on cherche bon Dieu à soi, à faire quoi que bon Dieu là, lui vivant, lui là, lui prête pour le voir, lui prête pour le tendre, lui prête pour le recevoir. Et lorsqu'on croit ça, bon Dieu a permis tout le temps de ça dit là. Renverser forteresse. Dans la vie, je dis, il y a une pile forteresse qui campait contre le monde. Qui a servi bon Dieu. Pour ne pas avancer. Mais soit pas avancer au nom de l'Éternel des armées. Mais garantir que forteresse a tombé. L'incrédulité, c'est un frein à la connaissance de Dieu. Car pour l'incrédule, Dieu serait juste une invention humaine. Pour le monde qui va croire dans bon Dieu. Son bagage que. Moun inventé. Non. Mais si tout le monde a vrai quoi que bon Dieu son bagage que moun inventé, moi vi la pas quoi ça. Pour ça bon Dieu fait dans la vie pas. Pour où bon Dieu passer avec, pour chemin le faire avec, pour ça le réaliser dans la vie moi, bon Dieu vivant, li réel, li exister. Nous devons renverser forteresse yo. Que forteresse qui c'est pensée. Je dis on a vu longtemps côté que pensée véhiculer tout côté. Sur Facebook, Instagram et autres pour déconnecter mon bon Dieu. C'est le plan du diable. Amen. Les gens qui mettent confiance sur le bon Dieu, qui croient dans la parole de bon Dieu, ils ont campé ferme contre toute mauvaise pensée. Parce que bon Dieu, dans ce ciel-là, il y a la victoire. Amen. Yes.